1924, c'est il y a 74 ans exactement que la première course de 24 heures était organisée sur le circuit de Francorchamps. Pour la petite histoire, les premiers à s'imposer étaient Springel et Becquet au volant d'une Bignan à une moyenne de 78,333 km à l'heure. Entre 1924 et 1938, le Grand Prix des 24 heures va se dérouler sur le circuit avec des interruptions en 34, 35 et 37. La crise américaine qui commence à toucher l'Europe va sérieusement handicaper la course automobile et les 24 heures se courent sur 10 heures seulement. 1938 marque la fin de la première grande époque des 24 heures. Avec la Seconde Guerre mondiale, l'épreuve va disparaître pour 10 ans de tous les calendriers. En 1948, les pilotes ont vieilli de 10 ans, leur machine également, mais la technique n'a pas évolué. Les 24 heures de Francorchamps, c'est la première course du genre organisée dans l'immédiate après-guerre, un an avant les 24 heures du Mans. Malheureusement, l'édition 48 et celle de 49 sont de vraies catastrophes financières. L'épreuve disparaît une nouvelle fois des calendriers. Paul Frère et Hubert de Harlay sont à la base de la renaissance des 24 heures en 1964. La course est réservée aux voitures de tourisme et il n'y aura plus d'interruption jusqu'à aujourd'hui. Une série d'évolutions du règlement vont se succéder, ce qui aura pour conséquence qu'un grand nombre de marques tenteront leur chance dans le double tour d'horloge ardennais. C'est qu'en souvenir de l'époque où nous courions toujours en culotte courte. Je vous souhaite un très très bon anniversaire. Bon anniversaire. Je souhaite un bon anniversaire pour la 50e édition des 24 heures de Spa-Francorchamps. À l'ombre des stands ou au soleil des paddocks, les hommes et les femmes du feu ne se croisent jamais. Ils se ressemblent tellement pourtant. Les uns prêts à étouffer la moindre étincelle, les autres prêts à attiser la plus minuscule des flammes, se différencient vraiment cependant. En effet, vous avez le look. Dites-moi, quoi de plus beau au monde que ce circuit de Francorchamps sur la piste et dans les paddocks, évidemment. Salopette pour ces dames et pour ces messieurs aussi. Le cuir, sachez-le, tombe les hommes. Le tissu, lui, fait tomber les tours. Pour que ces messieurs ne s'abattent sur ces demoiselles, elles optent pour l'ombrelle afin de prévenir tout embardé. Pour le casque, ils ont opté. Bon, d'accord, on se répète, mais vous avez vraiment ce look. Alors dites-moi, quoi de plus beau au monde que notre circuit de Francorchamps, paddock y compris, évidemment. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour un résumé de près de 60 minutes des 24 heures de Spa-Francorchamps Proximus Trophy, une édition 50e anniversaire placée sous les meilleurs auspices. Un nouveau règlement qui ouvre totalement la compétition, un plateau de qualité, passage en revue de tout ce petit monde, les forces en présence. Chez Honda, on mise sur le nombre. 12 Integra Tipper sont engagés dans l'épreuve. Objectif, la victoire. Trois teams sont soutenus officiellement par l'importateur. Certainement un gage de réussite. Tout d'abord, la structure de Marc Van de Ghen, ELR, et la voiture de Thierry Tassin et Philippe Favre. Le Belge et le Suisse ont décidé de rouler aux 24 heures à deux. Explication. La décision a été prise en fonction de notre morphologie et de notre façon de conduire et de régler la voiture.
C'est un pari peut-être un peu osé, mais je vous dirai ça dimanche après-midi si tout s'est bien passé. Autre team et même voiture, nous sommes chez PSI, De Gros, De Fournier et Bachelard, les comiques du plateau. Mais attention, une fois que ces trois-là ont un volant dans les mains, ça ne rigole plus. Ils étaient en mesure de faire un essai, une simulation, longue distance. Ils ont fait des essais là, après le Pocar Trophy, mais c'était plus des essais de mise au point que d'endurance. Donc il faut croiser les doigts. De toute façon, bon, il n'y a pas vraiment de science. Et je crois que la chance quand même jouera quand même un rôle important pour les 24 heures. VZM, ça doit certainement vous rappeler quelque chose. En effet, c'est le team qui faisait rouler Tassin l'an dernier en Procar. Cette année, la bande de Jean-Paul Van Zuylen s'est concentrée sur les 24 heures en préparant une Intégra pour le trio Klaus, Thibaut et Vereit. J'ai confiance parce que c'est vraiment une équipe qui a une très grande expérience des 24 heures, qui est très très bien organisée. Et je dirais qu'ils ont vraiment cherché le souci du détail et ça devrait aller. Ipec, lui, l'Honda Intégra cette année est une excellente voiture et une des meilleures du plateau. Et j'ai la chance de la conduire. Et puis avec notre team, le team ELR, on se concentre sur une seule voiture. Et le reste, il faut toujours avoir un peu de chance, que ce soit dans tous les sports, mais surtout aux 24 heures de Francorchamps. Formule 1 Racing vous propose un numéro spécial Procar. Le Procar qui, le week-end dernier, était à la campagne. Et sous le soleil, spectateurs, mécanos, pilotes et aussi journalistes ont eu très chaud. Avant de vivre les courses qui ont été des plus disputées, la caméra de Racing s'est rendue dans un hôtel de la région. Le temps de prendre le petit déjeuner. Parfois coquet. Attendez, hein, tout d'abord, si vous êtes en direct, je viens à vous, j'enlève mon casque. Et justement, Thierry Tassin, mais il n'est pas bien loin. Vous êtes dans une position pas vraiment idéale, hein, derrière les deux Peugeot et derrière Pierre-Yves. Alors, votre tactique de course, c'est quoi ? Eh bien, pas vraiment idéale. Vous avez bien remarqué la situation. La tactique, ben, on verra bien. Ça dépend beaucoup de la première ligne droite du premier virage ici. Warm-up, la voiture marchait bien, mais il faisait frais. On va voir maintenant avec la chaleur et on va attaquer. Il y aura surtout beaucoup de travail dans les stands pour tout le monde. Il est 16h tapante, samedi 4 juillet. Les deux Peugeot sont en pôle et les bolides sont lâchés pour 24 heures. Van de Hoover prend le meilleur départ et déjà José Claus sur la Honda VZM vient se caler dans ses échappements. Les premiers tours devant, c'est important parce que c'est en direct à la télé. José l'a très bien compris et dans la montée des combes, il s'empare de la tête du peloton. La Honda VZM fait l'extérieur à la Peugeot, tandis que derrière, Thierry Tassin est déchaîné. Il est déjà remonté en troisième position. Ce tout début de course ressemble furieusement à un sprint. Un sprint que Thierry Tassin veut à tout prix mener. Thierry attaque la Peugeot de 22 au virage de Bruxelles. Après un demi-tour de course, deux Intégra sont déjà en tête. Et ça n'est pas fini, puisque derrière, De Groot est placé en embuscade. Dans les années 70, le pilote qui bouclait le premier tour en tête recevait son poids en bonbon. Peut-être n'a-t-on pas dit à Thierry Tassin que ça n'était plus le cas aujourd'hui. Toujours est-il que Thierry s'empare de la tête de la course dans le pif-paf. L'Intégra du team ELR mène les 24 heures. Lors des essais, Tassin et Favre avaient travaillé en vue de la course et ça paye déjà. Tassin, Klaus, Van de Hoover, c'est le trio des têtes. Derrière, De Groot se bat pour la quatrième place avec Jean-Pierre Van de Hoover. Lors de ce premier tour, les Intégra sont manifestement plus rapides que les 306. Chez Peugeot, on a sans aucun doute adopté des réglages endurance. Toutefois, devant, Tassin s'envole, Klaus le suit à distance et De Groot fait le forcing pour s'emparer de la troisième place. Tir groupé pour Honda, mais bien évidemment, ça n'est pas le premier tour qui compte et beaucoup, beaucoup d'événements vont encore se produire. Lors du
premier passage devant les stands, Stéphane De Groot s'empare de la troisième place. On croit rêver dans le clan japonais, surtout qu'une Integra peut en cacher deux autres. Les voitures de Cox et celles d'Elliott sont déjà dans les échappements des 306 et lors du deuxième tour de piste, Peter Cox va se défaire de la voiture de Van Dalen dans les combes. C'est ensuite Jean-Pierre Van de Wover qui va se faire manger tout cru par Peter Cox. Grant Elliott, le pilote anglais du Procar, va imiter son camarade hollandais dans la foulée et après quelques minutes de course, ça n'est pas moins de 5 Honda Integra Type R qui se partagent les 5 premières places. Dans la pit lane, on n'en croit pas ses yeux. On savait que les Integra étaient très rapides sur Francorchamps, mais de là à imaginer un tel scénario après moins de 5 tours de course, il y a de la marge. Toujours est-il que les pilotes Honda font le spectacle et s'échangent régulièrement les places d'honneur parce que devant, Thierry Tassin creuse l'écart et accroît son avance. Ça n'est pas un hasard si le Bruxellois a déjà remporté la course à 4 reprises. Il y a sans doute une explication à cette domination, une explication toute simple. On cherchait à ce que la voiture soit surtout confortable à conduire pour les pilotes. Et les pilotes ont travaillé les 2 journées d'essai à cela. Et j'ai vu un Thierry Tassin et un Philippe Fabre radieux hier soir. La voiture était vraiment comme il la voulait. Elle est très facile à conduire et ici, il ne force pas. Ils ne forcent pas, mais ils sont en tête. La numéro 7 de Tassin-Favre précède la 3 confiée à Bachelard, De Groot et De Fourny. Suit la numéro 5 de l'équipage anglo-hollandais Thompson-Graves-Cox. Un équipage qui n'est pas satisfait de son sort avec une 3e place et se met à attaquer son alter ego belge avec succès. 7-5-3, c'est le tiercé gagnant. Honda domine ce début de course de la tête et des épaules, une suprématie attendue qui demande d'être confirmée par la fiabilité. Mais ça, c'est une autre histoire, d'autant que les premiers soucis s'abattent sur la Honda préparée spécialement pour ces 24 heures par le team VZM. José Claus est au stand. Pour l'instant, on a quelques petits ratés, probablement dus au faisceau électrique. Mais sinon, la voiture se comporte très bien. Le départ, c'est vrai que je l'ai bien réussi. José Claus repart, des minutes sont perdues, mais plus grave, une épée de Damoclès plane au-dessus du team malmédien. Pour Tassin, en revanche, tout va bien. Il précède les 2 autres Honda du team Honda Sport Belgium et l'Integra du team VTEC confié au trio Elliott, Ruokkonen, Bayen. La première Peugeot, celle de la pole, pointe en 4e position. Confirmation donc que la vitesse de pointe des Honda est, comme annoncé, supérieure à celle de ses concurrentes. Preuve aussi que chez Peugeot et BMW, on opte également pour la prudence. À cet égard, l'expérience des Bavaroises dans le double tour d'horloge est déterminante. La modification du règlement a été bien intégrée par la maison BM et si l'on sait que la vitesse ne fait plus partie de l'arsenal, la rapidité dans les stands et la fiabilité risquent d'être autant d'arguments qui plaideront en faveur de BMW lors du décompte final. Donc pas de panique, même si à l'heure de course, les 2 BMW du team Fina Bastos sont seulement pointés 11e et 12e, et même si celle de Boutsen, Moreau et Martin n'est que 16e. En fait, les soucis sont ailleurs et un mal mystérieux commence à s'acharner sur les Peugeot 306. Ce mal mystérieux, ce sont les crevaisons. Jean-Pierre, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai une crevaison lente. Quand je suis passé dans le raidillon, le pneu a commencé à se dégonfler tout doucement, mais je n'ai absolument rien touché. Pas fait de plat dans les pneus, rien. Je pense que j'étais même en dedans. Je sais pas, peut-être un problème de pneumatique. Et vous avez dû quand même avancer votre relais, alors c'est un peu embêtant ça, non ? Ouais, c'est sûr que c'est embêtant, mais si c'était arrivé plus tôt, j'aurais fait tout un tour comme ça, et là, ça aurait été très embêtant. Ici, on limite bien, bon, il n'y a pas de faute, il n'y a pas eu de touchette, il n'y a rien. Bon. On a changé plus tôt. Problème de pneumatique chez Peugeot, problème de cardan sur la Honda numéro 3. Il
Alors voilà, la grosse pièce que j'ai ici en main, c'est un cardan. Le cardan, c'est ce qui transmet la puissance du moteur jusqu'aux roues avant des voitures. Et c'est le cardan de la voiture de Stéphane de Groot et Didier de Fourny. Didier, c'est de très mauvais augure d'avoir déjà cassé un cardan après une heure de course. Oui, puisque déjà, donc, il y a une heure de course. On a eu un problème ce matin au warm-up. En fin de compte, on a eu le même problème. Il y a un clips ici, comme ici en bas. Et le clips s'est détaché. Et alors, la graisse qui est dans le cardan, qui refroidit le cardan, est partie. Et à ce moment-là, le cardan qui n'est plus graissé grippe. Et alors, le cardan casse. Pas de problème de cardan chez ELR. Tassin rentre en tête pour passer le relais à Favre. La voiture tourne comme une horloge suisse. L'idéal pour Philippe, qui repart en menant la course. Ouais, tout va bien. C'était très chouette. Et on avait bien réglé la voiture pendant les essais. On avait travaillé que pour la course. On a vu directement en course, on va comme un avion. Et puis, me suis préoccupé aussi parce qu'on n'est que deux pilotes. Et comme on n'est que deux pilotes, je ne peux pas non plus rouler comme un pété. Hein. Donc, je faisais attention et je contrôlais. Donc, pour l'instant, tout va bien. Espérons que ça continue. Mais le plus étonnant, c'est la performance de Elliott, Bélen et Ruokkonen, qui sont deuxièmes des 24 heures au moment du souper. On ne les attendait pas à pareille fête. C'est bien vu, les gars. Devant, Philippe Favre continue le festival commencé par Thierry Tassin. La voiture fonctionne effectivement très bien et surtout que le but n'était pas de mener la course, c'était de rouler prudemment. On a bien préparé la voiture donc aux essais pour trouver des bons réglages pour la course plutôt que de faire la pole position qui était assez difficile à atteindre. Et je crois que ça porte ses fruits, la voiture fonctionne très bien et on fait des bons temps régulièrement sans prendre de risques. Alors bon, pourvu que ça dure, qu'on n'est pas à l'abri d'ennuis mécaniques, mais pour le moment je crois qu'on a pas mal de chance. À la fin d'une danse des plus endiablées, à 23h, le duo belgo-suisse compte un tour d'avance sur la BMW de Salens Ferté Fermin, que l'on n'attendait peut-être pas à pareille fête. Le quadruple vainqueur des 24h va s'installer au volant, il va contrôler, tout va bien, son équipier confirme. Oui, c'est sûr, pour le moment, on essaye de ménager au plus la mécanique et les suspensions. Ça a l'air de marcher, on n'a pas trop de problèmes. La voiture marche très très bien au niveau freinage, tenue de route. Donc pour le moment, on n'a aucun souci, mais la nuit est encore longue et demain aussi. Et puis peu après 1h du matin, coup de théâtre. Thierry Tassin, le leader, rentre au stand pour un arrêt aussi long qu'inattendu. Le stress s'installe, Tassin se fait moins loquace qu'à l'habitude. Problème d'embrayage. Il semble, oui. Une demi-heure de réparation Normalement, si tout se passe bien et s'ils font ça dans les temps, oui. La Honda repartira plus d'une demi-heure plus tard en 27e position. Toute chance de victoire s'est envolée. Et bien évidemment, Boutsen et ses petits camarades chutent dans le classement. Devant, les trois premières voitures se tiennent dans une petite minute. Les deux BMW du team Juma avec Van de Poel qui enchaîne les relais comme un métronome et occupe donc la tête de ses 24. Son cinquième, la course par élimination leur a été favorable. Il y a eu beaucoup de casse déjà jusqu'à présent parce qu'on est parti 20e. Et maintenant, on est déjà cinquième, donc on est pas mal remonté sur la piste, mais aussi... Avec tristesse, exit donc Jackie et Vanina. Mais la course continue et certains de leurs collègues pilotes sont eux aussi nettement moins bien lotis que ce qu'ils avaient pu espérer en début d'été. Le grand frisson, la Honda Integra de Tassin et Favre part en fumée après un début de course tonitruant, de gros soucis d'embrayage réglés au stand et une rafale de meilleurs tours en course, l'Integra a tout donné, rideau. C'est la tringlerie de boîte qui a lâché. Et c'est la deuxième fois que ça arrive. Et du coup, quand j'ai voulu enclencher un rapport, là, il n'y avait plus de guidage pour les rapports. Et c'est la 3 qui s'est mise au lieu de la 5, mais on avait déjà eu ça avec la boîte précédente. Et voilà quoi. Et cette fois-ci, le moteur a pris un sur-régime et le moteur a cassé. On était bien, mais bon, pas suffisamment bien. On sait qu'on aurait dû faire une simulation maintenant. On n'a pas fait de simulation. Avec une simulation, on aurait été mieux. Néanmoins, je crois que tout le team ELR a très bien travaillé. Hein. C'est un jeune team et ils sont tous très charmants et très motivés. Donc, je n'en veux pas du tout. On mettra les couverts l'an prochain. J'espère. Fêter la Coupe du Roi, bien sûr, mais aussi pour fêter la prestation des Integra. Car chez les Japonais de Belgique, on n'est pas déçus. Mais les Integra ne sont pas une déception. En fin de compte...
C'était la première fois que nous participions aux 24 heures avec cette voiture. Nous avons, il y a eu beaucoup d'équipes privées qui ont choisi notre voiture. Alors, on en était évidemment très nombreux au départ. Et nous avions 4 voitures officielles. Et il y en a 2 qui terminent à la 5e et à la 8e place, après avoir mené l'épreuve de manière assez autoritaire. Je crois que les conclusions qu'on peut tirer sont très positives. On a appris beaucoup de choses. Et l'année prochaine, on espère bien être plus fort encore. Voilà, messieurs, ce qu'il faut dire pour passer à la... Selon le temps, mouillé. C'est l'émission Thalassa ici, ou bien... j'ai pas très bien compris la question. À deux, amoureux ? Oui, je suis jeune, je découvre des choses, moi je... En tout cas, je me suis bien amusé, c'est vrai que je pense que j'ai encore envie de le faire, avec Stéphane de préférence, ma chérie. Le tour de chauffe se termine donc sans Rademaker, ce qui est tout bénéfice pour Cortals, qui s'élance sur la partie sèche du circuit, sans personne devant lui. Cortals profite de l'opportunité pour prendre la tête au pied du raidillon. De Groot le suit comme son ombre dans la ligne droite des combes. Stéphane De Groot profite de l'aspiration pour piquer Pilou au freinage. Au sommet du circuit, De Groot est leader, suivi par Cortals et Tassin, qui a également réussi un excellent départ. Durant quelques tours, Cortals suit le train de De Groot lorsqu'il hérite d'un drapeau noir. En tête et débarrassé de Pierre-Yves Cortals, Stéphane De Groot creuse le trou. Le pilote Honda est bien décidé à s'imposer et personne n'est réellement en mesure de tenir son rythme. Tassin précède Hugeux et Hyde qui s'échangent la 3e place de virage en virage. Mais malheureusement, pour Thierry Tassin, après quelques tours, il regagne son stand avec un moteur qui refuse tout service. Thierry, que se passe-t-il ? Ben, je vais mettre le moteur en marche et vous allez regarder. Vous êtes sûr que vous voulez que je mette le moteur en marche, hein ? Il n'y a rien, j'ai sorti de la chicane et ça a fait un panache de fumée. Et plus rien. C'est fini pour la 2e manche aussi alors. On va voir, on a eu un week-end qui a très mal commencé depuis le début, donc généralement quand il commence mal, il se termine mal. Suite à un sur-régime, le moteur de l'Integra est cassé. Côté de Bart Hyde. Sur la grille, il y a pourtant un absent. Pierre-Yves Cortals est bloqué en dessous de l'allée des stands. Stéphane, Cortals part du dessous des stands, il est arrivé trop tard, c'est bien pour vous ça. C'est une bonne nouvelle que vous m'annoncez là. Et bah, effectivement, au moins il y en a, au plus on rit. Donc voilà. De Groot gère très bien son départ et la Honda se présente en tête au raidillon. Le troupeau suit sans Cortals qui est contraint de s'élancer après le passage des 10 petites 106. Au combe, De Groot vire en tête devant Hugeux, Tassin et Rademaker. Mais le pilote de la Peugeot attaque à l'entrée du double gauche. Rader prend la 3e place. Une Honda, deux Peugeot, puis à nouveau une Honda. La bagarre qu'on nous avait promise va-t-elle avoir lieu ? Eh bien oui, elle va avoir lieu, mais pas pour la victoire. Tassin et Rademaker se battent comme des chiffonniers pour une place sur le podium. Finalement, l'expérience de Tassin prendra le dessus sur la pointe de vitesse de Rademaker. Étonnant Tassin qui casse un moteur en première manche et assure le spectacle 2 heures plus tard. Marc ? Qu'est-ce que vous avez fait sur la voiture de Thierry entre les 2 manches ? Bien, nous avons changé de moteur. Vous aviez un moteur ? Oui, on en avait un dans le camion. Il était explosé, on l'a changé. Je pense que l'équipe a réalisé un très grand exploit. Je ne croyais pas qu'on allait y arriver. Je suis très content. Rademaker et Tassin vont tenir en haleine les spectateurs, mais également Willy Papegay. Malheureusement, la course sera interrompue prématurément suite à une sortie de route spectaculaire d'un des pilotes 106. C'est finalement Tassin qui terminera 3e derrière Hugeux et l'homme du week-end, Stéphane De Groot. En Peugeot 106. Stéphane, est-ce qu'on s'habitue à la première marche ? Non, jamais. On n'a jamais assez soif de victoire. Non, je suis vraiment très très content parce que là, en plus, en 2e manche, on a fait une belle bagarre avec Sébastien. La Peugeot, elle est vraiment bien.
Et au début, j'étais un peu inquiet parce que ce qui revenait très fort. Enfin, il était vraiment là. Et c'était une séance qualif pendant 30 minutes. Sur le podium, le pilote de Groot a remis son habit de clown et c'est du grand spectacle. Après 4 manches courues, Sébastien Huget mène la danse au championnat devant son équipier Vincent Radermaeker. À 13h15, sous un soleil pesant, les pilotes s'élancent pour 30 minutes de course torride. Les deux Peugeot réalisent un excellent départ. Mais comme vous le voyez, Vincent reste maître du leadership. Derrière les deux 306, Thierry Tassin et Pierre-Yves Cortal s'offrent une lutte intense pour le gain de la 3e place. Suivent ensuite Vincent Vos, auteur d'un très bon départ. Derrière lui, on retrouve son coéquipier Dirk Skuysman, suivi du Britannique Grant Elliott. Radermaeker en tête aligne les bons chronos tour par tour. Il creuse déjà l'écart face à ses poursuivants. Derrière, par contre, ça chauffe. Huget, Cortals et Tassin sont dans un mouchoir. Cortals est dans les échappements du jeu qui freine un peu tôt. Cortals touche la 306 et passe dans l'aventure. Le leader du championnat a perdu 2 positions puisque Tassin, en observateur, a bénéficié de la petite sortie du jeu pour se placer en 3e position. Et le pilote ELR ne va pas se contenter de cette position puisqu'il passe Cortals à la chicane. Pierre-Yves s'incline très sportivement et se retrouve alors à la 3e position. En tête de la course, le leader Vincent Radermaeker est bien seul, mais il va néanmoins s'offrir une petite faute en ratant son freinage, ce qui permet à Thierry Tassin de revenir en force sur le pilote Peugeot. Vincent ne se déclare pas vaincu pour autant, puisqu'à la chicane, il retarde, vous allez le voir, son freinage au maximum pour contrer l'attaque de la Honda. Il conserve néanmoins sa première place, tandis que derrière, on note l'excellent retour en force de Cortals. Mais la lutte pour la première place n'est pas finie puisqu'au freinage de la longue ligne droite d'Estaing, Tassin déboîte et tente de passer à l'extérieur, exercice très délicat qu'il ne réussit pas puisqu'il rate son freinage et perd ainsi le bénéfice de sa 2e position au profit de Pierre-Yves Cortals qui a bien réagi en observant la manœuvre de Tassin et qui est passé. Derrière les leaders, on retrouve la lutte pour la 4e position. Elle s'annonce incisive entre Huget et Elliott. Sébastien rate cette fois son freinage. C'est l'étonnant Grant Elliott qui se retrouve très près d'accéder au podium. Un podium qui va se concrétiser pour le Britannique puisque Tassin en complication avec des freins capricieux rate tout d'abord son freinage à la chicane. Ensuite, il va aller percuter le malheureux Nicolas Kropp qui venait de prendre le commandement 106 avant cet incident. Tassin, malheureusement, c'est l'abandon. Répondre. Ben oui, il vient de le dire. Des problèmes de frein. On va regarder. Il fait très chaud et il est clair qu'on n'a jamais roulé avec une température comme ça. On va voir. Comme nous l'a précisé Marc Van de Ghen, les conditions atmosphériques sont extrêmes. Ce week-end à Chimay, les freins, les pneus, les moteurs et les pilotes ont beaucoup souffert. Et en ce qui concerne la voiture de Thierry Tassin, les mécaniciens s'affairent autour de la Honda pour tenter de la remettre en état pour la 2e manche. Ce dépassement justement sur les 206 était un peu osé, non ? En passer une, non. Je pense que ça posait pas de problème d'en passer une. En passer deux, non. Mais je voulais pas en passer deux. Je voulais en passer une et puis... Attention. Et puis passer à la corde. Donc le but, c'était pas d'en passer deux d'un coup, mais à partir du moment où ça s'est bloqué et que j'ai plus freiné, j'ai glissé tout droit, quoi. Et je les ai percutés, donc... Désolé. Astil, ça m'a l'air de bien se passer. Pas d'accrochage, j'ai l'impression que Vincent... Et une fois encore, Thierry Tassin est dans les parages. La Honda percute la Renault, Vanina est dehors, tout est fini. Décidément, Thierry Tassin ne se sera pas fait que des amis en terre chimacienne.